U organizaciji Centra za europske studije u Zagrebu, Sveučilišta Europskog centra u Nancyu i Veleposlanstva Francuske u Republici Hrvatskoj na Fakultetu političkih znanosti održana je znanstvena konferencija na kojoj se raspravljalo o ulozi Europskog parlamenta u političkom sustavu Europske unije. Gosti predavači su Etienne Criqui, Jean-Denis Mouton, Hrvoje Špehar i Dario Čepo. Pew Research Center qui porte sur l'opinion publique de 8 États membres de l'Union européenne. Ils ont les 8 les plus peuplés. En un an seulement, la proportion de citoyens qui se déclarent favorables à l'Union européenne est tombée en un an de 60% à 45%. Comme le fait remarquer le rédacteur de l'étude, je le cite, l'effort mené au cours du dernier demi-siècle pour créer une Europe plus unie est désormais la principale victime de la crise de l'euro. Il ajoute, le projet européen est désormais discrédité dans la plus grande partie de l'Europe. Comment espérer alors mobiliser des électeurs pour des élections qui ne leur parlent pas? D'autant, deuxième facteur, que la crise économique et sociale est loin d'être surmontée dans la plupart des pays de l'Union, non seulement ceux du Sud, mais aussi ceux de l'Est, ainsi notamment la situation très difficile de la Bulgarie ou de la Roumanie, par exemple, voire certains au Nord, qui sont en récession, mais l'Allemagne l'est quasiment, les Pays-Bas aussi. En l'absence de croissance, la tendance actuelle ne s'inversera pas d'ici les élections du printemps 2014, qui risquent d'arriver même au plus mauvais moment du cycle économique. Dans ces conditions, espérer un regain de participation me semble utopique. Enfin, il faut prendre en compte les enjeux nationaux et notamment la place de ces élections européennes dans le calendrier politique des États. Les spécialistes des élections savent que la participation aux élections est fonction du calendrier électoral. Plus les consultations électorales sont rapprochées dans le temps, moins les électeurs participent, et plus l'abstention donc augmente. Et de ce point de vue, le calendrier électoral n'est pas très favorable aux élections européennes de mai prochain, ne serait-ce que dans les deux pays les plus peuplés de l'Union. En effet, vous le savez, les Allemands vont renouveler le Bundestag en septembre prochain. Vont-ils se remobiliser en masse 7 ou 8 mois plus tard? Il est permis d'en douter. En France, les élections européennes auront lieu exactement 2 mois après les élections municipales. Sans faire de prospective, il n'est pas interdit de penser que le poids de ces partis, de ces groupes critiques par rapport à l'intégration européenne sera sensiblement plus élevé dans la législature, dans la prochaine législature. Ce qui ne favorisera pas, ça me permet d'arriver à ma seconde partie, la réalisation après les élections d'un véritable espace politique européen, autonome, structuré, comme dans la plupart des États, par le clivage gauche-droite. À Bruxelles, que ce soit à la Commission, au Parlement et dans certains partis politiques européens, on fonde beaucoup d'espoir dans les élections européennes de mai prochain. Élections qui pourraient donc être marquées par de véritables enjeux politiques à l'échelle de l'Union, et pas seulement comme avant des enjeux nationaux, et notamment un affrontement gauche-droite pour le contrôle du Parlement, et même pour l'élection du président de la Commission. Les 4 groupes pro-européens, centre-droit, socialiste, libéraux et verts, cela conduirait ces 4 groupes à se rapprocher et à serrer les rangs. Cela serait d'autant plus vraisemblable
si à la suite des élections fédérales allemandes, Madame Merkel devait constituer une grande coalition avec les socialistes, les sociaux-démocrates du SPD. Comment imaginer un affrontement entre socialistes et chrétiens-démocrates, entre socialistes et centre-droit, si, en mai prochain, si ces deux forces politiques gouvernent ensemble l'Allemagne, répond à la tradition parlementaire, on pourrait considérer que le président de la Commission doit représenter une majorité politique sortie des urnes. Mais est-ce vraiment opportun dans la situation actuelle de l'Union européenne? Pitanje kako ćemo pozicionirati Europski parlament u političkom sustavu Europske unije, odnosno u kojoj mjeri i na koji način možemo govoriti o Europskom parlamentu kao funkcionalnom ili disfunkcionalnom institucionalnom obliku unutar političkog sustava Europske unije. I kad se o tome unutar političke znanosti pokušava raspravljati, obično se susrećemo s tri kruga mogućih objašnjenja koja imaju svaki za sebe poseban dio argumentacije. Prvi je naravno jedan veoma široki kompleks teorija koje se mogu podvesti pod ideju političkog sustava sui generis, među ostalih koji promovira profesori Simon Hicks ili Paul Manjent ili drugi, u kojem se čitav ovaj kompleks institucija razumijeva kao funkcionalni dio jednog golemog političnog sustava specifične vrste. Drugi pristup o kojem ću nešto danas reći je pristup koji preferira recimo John McCormick, koji teži tome da europsku integraciju i politički sustav Europske unije opiše jednim konfederalističkim načinom. I u tom smislu Europski parlament zapravo ne prolazi baš najbolje. Europski parlament se u takvom obliku institucionalnog aranžmana doživljava kao jedan dodatak koji neposredno nema funkcionalnu korist za čitav politički sustav Europske unije, iako on može u određenom smislu promovirati i doprinijeti jednom tipu obuzdavanja demokratskog deficita. I treći, a za koji sam se ja u određenom smislu opredijelio kao diskutabilni dio istraživanja i kao jedan od važnih doprinosa u pitanju institucionalne funkcionalnosti ili disfunkcionalnosti, je pristup deliberativnog intergovernmentalizma ili intergovernmentalizma sa naglaskom na tome da europske institucije, poglavito u ovom slučaju Europski parlament, duboko ovise i dalje u jednom tipu međuvladinskog pregovaranja i s tim u vezi da su ključne europske politike, dakle one politike koje duboko opterećuju čitav politički sustav i koje usmjeruju čitav politički sustav u njegovom daljem razvoju, duboko obilježene međuvladinskim nastojanjima i odnosno njihovim načinima pregovaranja, usuglašavanja stavova i donošenja konačnih rješenja. Dakle, imamo bezbroj mogućih interpretacija, odnosno bezbroj mogućih ključnih prekretnica i ključnih institucionalnih aranžmana koji su doprinijeli tome da danas u području Europske unije možemo s jednom sigurnošću govoriti o tome da ne samo da ne slabi utjecaj nacionalnih vlada, nego da je on u velikoj mjeri ojačan ovakvim institucionalnim aranžmanima, poglavito nakon Lisabonskog ugovora, što ima onda posebne i veoma važne implikacije i za položaj Europskog parlamenta u političkom sustavu Europske unije. Et alors, l'intérêt c'est de voir en quoi les élections de 2014 pourraient permettre d'améliorer le système, ce qui n'empêche pas de réfléchir à plus long terme aussi, c'est-à-dire au-delà de la période de ces élections. Et c'est peut-être en se plaçant dans une plus longue durée, finalement, de la construction européenne, qu'on peut-être être un peu moins pessimiste que mon collègue et ami, le professeur Étienne Cric. Et donc, tout d'abord, où en est le système institutionnel de l'Union européenne? Et je voudrais d'abord, et ceci est tout à fait conforme à ce qu'a dit le précédent orateur, dire que le traité de Lisbonne
à consolider une évolution progressive. Donc la Commission voit son rôle renforcé, consolidé en tant qu'exécutif par le traité de Lisbonne. Deuxième côté du carré institutionnel, le Conseil de l'Union. Le Conseil de l'Union, je ne vais pas m'étendre sur son rôle, il maintient son rôle de co-législateur principal de l'Union européenne. D'abord, lorsqu'on est dans le cadre de la procédure législative ordinaire, c'est le Conseil de l'Union qui est le co-législateur ordinaire de l'Union européenne, et même dans le cadre des procédures législatives spéciales, le Conseil de l'Union reste dominant. Il intervient également de manière importante dans les relations extérieures de l'Union européenne et notamment dans la conclusion des accords internationaux. Donc le Conseil européen est consolidé je vais revenir là aussi dessus, soit ce qu'on peut considérer comme la Chambre des États, représentant les États, on voit dans le Conseil en tant que co-législateur la Chambre représentant les États, soit en tant que, et c'est tout le problème de la complexité du système européen, soit l'organe intergouvernemental de l'Union. Le Parlement européen, dont on parle spécialement aujourd'hui, eh bien, il a continué à se renforcer du fait du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne renforce son rôle de co-législateur. La procédure de co-décision s'applique à toutes les questions qui relèvent de la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire environ une trentaine de nouveaux domaines du fait du traité de Lisbonne, même s'il n'a toujours pas acquis ce droit de participer à l'initiative législative. Et puis, il faut aussi évoquer ici la consolidation du rôle du Parlement européen en matière budgétaire. Je vous rappelle quand même qu'un Parlement national, c'est d'abord un législateur, puis c'est aussi le contrôleur du budget de l'État. Et celui qui adopte le budget de l'État. Or, les événements récents, le 13 mars 2013, on sait que le Parlement européen a manifesté son désaccord sur le projet de l'Union européenne sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Et donc là, il a manifesté aussi une montée en puissance de son rôle. Je reviens toujours à propos du Parlement européen sur les mesures qui ont été adoptées ces trois dernières années pour faire face à la crise, le CIPAX, le TUPAX, etc., le mécanisme européen de stabilité. Le Parlement européen a été amené à légiférer sur les principaux instruments, à donner son accord sur les principaux instruments pour faire face à la crise financière et économique. Donc, il y a aussi une montée en puissance de ce troisième côté du carré. Problem demokratskog deficita mnogi autori vežu uz slabu povezanost evropskih građana s procesom evropske integracije. S obzirom na to da je Evropski parlament jedina izravno izabrana evropska institucija, pa da stoga ima najbližu poveznicu s evropskim građanima, odnosno s građanima država članica, kritičari evropske integracije upravo u Evropskom parlamentu i njegovoj nelegitimnosti, utemeljenoj na slaboj izlaznosti, pokazuju kao na izvor mogući ili veliki izvor demokratskog deficita. Problem koji je povezan s institucijama, a iz kojeg proizlaze pitanje demokratskog deficita, jest problem sa očitim izostankom trodiobe vlasti, koja već stoljećima, to studentima političkih znanosti sasvim sigurno ne moram govoriti, koja već stoljećima služi kao pokazatelj demokratičnosti političkih sustava. Činjenica, primjerice, samo jedan primjer uzmimo, činjenica da visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku je u isto vrijeme potpredsjednica Europske komisije, egzekutivnog tijela Europske unije, i predsjedava Vijećem za vanjske poslove kao
jednom od konfiguracija vijeća koje je legislativno tijelo Europske unije ukazuje na problem, ukazuje dakle na taj problem. Također važan problem proizlazi iz nemogućnosti Europskog parlamenta da izglasa nepovjerenje pojedinim povjerenicima koje su imenovale države članice. Naravno, Europski parlament može zaprijetiti da će izglasati nepovjerenje kolektivno čitavoj komisiji. Ali činjenica da države članice mogu utjecati na to tko će biti njihov, tko će biti povjerenik u Europskoj komisiji, a da to građani, odnosno predstavnici građana kroz Europski parlament ne mogu, također ukazuje na nedemokratičnost cijelog procesa. Europski parlament je pokušao stati tome, doskočiti tome problemu, time što je odlučio pozvati na saslušanja u američkom obliku stvaranja predsjedničkog kabineta, na saslušanja pojedine kandidate za povjerenike i onda prijetiti komisiji, odnosno predsjedniku komisije, da će uskratiti povjerenje ako pojedinog povjerenika ne zamijeni nekim drugim ili mu ne promijeni portfelj ili tako dalje. Ali to je samo način, odnosno dosjetljiv pokušaj Europskog parlamenta da se uključi u ona pitanja koja mu nije bilo dozvoljeno ući od strane država članica. Europski parlament je, i s ovim ću završiti, čini mi se jedini mehanizam kojim se demokratski deficit može ukloniti. Te je dugoročno jačanje Europskog parlamenta i čimbenika povezanih s Europskim parlamentom, poput europskih političkih stranaka, prava na zakonodavnu inicijativu, dodatnog proširenja ovlasti, ujednačenja izbornih pravila, da je sve to dakle dobar put za uklanjanje problema demokratskog deficita.